Et le coup d'envoi de ce deuxième match de classement. Comptant pour la 5e, 6e place qui est donnée, l'Ajax d'Amsterdam qui affronte le club américain de la Vega pour ce coup franc, ce corner. Attention, premier poteau, on a tenté de dévier. Deuxième tentative pour de la Vega avec une bonne feinte. Hein. Deuxième centre, le portier qui a pu toucher et s'emparer du ballon. Homs it is de nouveau. Il rejoue dans l'axe, Familia Castillo avec une grosse frappe, oh superbe, oh mais quel tir, quel tir, il est incroyable ce numéro 8 du côté de l'Ajax, vraiment, on en aura vu des buts extraordinaires, mais alors celui-là, quelle frappe imparable après 2 minutes de jeu, ouverture du score pour l'Ajax. Dest maintenant. Dest pour Sint. Sint, attention, le centre en retrait de Sint pour De La Vega avec un dégagement raté. Oh, Jamie qui peut se mettre en bonne position et allumer la lucarne, 2-0 pour l'Ajax Amsterdam après 17 minutes et 13 secondes de jeu. Et le 2-0 qui est inscrit par cette fois-ci le numéro 19 d'Eunel, Jamie. Après un mauvais renvoi de la défense mexicaine et le break est fait. Avec un coup franc décalé sur le côté gauche. À 35 mètres début de Jörg Ruijskruk. Et on a mis beaucoup de monde dans les 16 mètres. De La Vega qui s'élance, s'est frappé. Oh c'est superbe, quel arrêt! Magnifique intervention de Brian De Jesus Robles Aguirre sur cette tête vraiment à bout portant. Et là, il a été très très solide le gardien avec un superbe réflexe. Et les Mexicains du club América qui ont 20 minutes pour revenir dans ce match. On vous rappelle qu'ils sont menés à la mi-temps 2-0 par l'Ajax d'Amsterdam. Ils sont entrés en défense. Alors à la place en tout cas du... Attention avec une bonne occasion pour les Mexicains qui viennent réduire la marque. Alors là on s'est laissé faire derrière, on s'est laissé endormir en ce début de deuxième mi-temps. Et les Mexicains qui en profitent très très bien pour venir réduire le score. Et c'est donc 2-1 après cette réduction du score inscrite par le numéro 349 Arturo Sanchez Silva. Alors c'est vrai que c'est pas le football le plus fluide qu'on ait vu ce week-end, hein, ce match entre les deux équipes. Attention, avec une énorme frappe qui est redescendue au tout dernier moment. Et ça aurait pu aussi avoir l'occasion d'un le poids d'un but pour garder ce ballon. Il l'a mis en retrait sur Botman qui lui l'a mis directement en touche. Voilà, il va essayer de se racheter le numéro 4 de l'Ajax. Attention à ce centre parce qu'on est absolument tout seul derrière au deuxième poteau avec une tête qui termine au-dessus. Début de Jörg Ruijskruk. Ah ça c'est très bien fait sur le côté. Jamie qui tente le centre. Attention, un ballon qui est passé. Ballon qui traîne dans les 16 mètres et Kellen Kopp qui rate. Oh là là, Kellen Kopp il réussit le crochet. Il n'arrive pas à enchaîner la frappe derrière. Alors ça c'était le 3 hein, vraiment. Il avait le 3 au bout du pied. Ah, il s'est totalement emmêlé les pinceaux comme on dit. Attention avec de l'autre côté, l'égalisation mexicaine sur le contre, oh là là, extraordinaire, ils l'ont voulu les Mexicains, et ils ont eu la réussite que Kellen Kopp ne puisse pas pousser le cuir au fond, mais par contre ils viennent égaliser à 1 minute 45 de la fin du match. Deux buts partout suite à cette égalisation mexicaine sur un contre rondement mené. Contre fulgurant et rondement mené. Dégagement directement en touche. Et donc le coup de sifflet final qui est donné ici. On va avoir droit à une deuxième séance de pénalty entre l'Ajax Amsterdam et le club América. On vous rappelle, c'est donc 5 pénaltys chacun. Et c'est ça qui va départager ces deux équipes. 5e ou 6e place. Premier pénalty, premier tireur pour l'Ajax Amsterdam. Et c'est raté! Venticio Sint qui rate son premier pénalty, très bien arrêté par Robles Aguirre. Et premier tireur pour le club América. Et la possibilité tout de suite de mener par un but à 0 dans cette séance
Tina Hierro-Stevens qui s'élance. Et c'est arrêté aussi, il a tiré au même endroit, même arrêt, deux fois le même pénalty de chaque côté, on est donc à 0-0. Alors, un pénalty qui va devoir être retiré, alors ouais, on n'avait pas compris là. Bon, alors, premier pénalty, deuxième essai pour Luis et Tina Hierro-Stevens, toujours face à Jörg Ruijgruuk. Jörg Ruijgruuk qui s'est imposé tout à l'heure sur le premier pénalty. On a décidé de le retirer du côté des arbitres. On n'a pas compris pourquoi depuis la tribune ici. Toujours est-il que le premier tireur du club américain va s'élancer. Il le tire au même endroit. Le gardien qui part aussi au même endroit. Et Ruijgruuk qui ne pourra pas arrêter ce pénalty. Et c'est donc un but à zéro. Carlos Familia Castillo qui nous a gratifié d'un goal extraordinaire tout à l'heure pour ouvrir le score. Qui va se présenter face à Robles Aguirre. Et qui va tenter de remettre son équipe sur les bonnes rails en inscrivant le premier pénalty de son équipe. Fabien Castillo qui s'élance. Oh, alors là, il a laissé absolument aucune chance à Robles Aguirre. Diego Robledo Hernandez est le numéro 394. Effectivement, les numéros à trois chiffres, ça aide pas hein, pour commenter. Alors attention, deuxième tireur pour Club América, la possibilité d'être à 2-1. Oh, très très bien tiré, ça aussi en dessous de la latte. Et c'est donc deux réussites sur deux du côté mexicain. Lionel Jamie qui va s'avancer pour le troisième pénalty de l'Ajax. Daniel Jamie. Oh là là, gros pénalty encore. Très très bien tiré. Robles Aguirre qui ne peut absolument rien faire. Sanchez Silva face à Ruijgruuk. On attend le coup de sifflet de l'arbitre. Oui, parce que le portier mexicain n'est pas hors du terrain. Alors Sanchez Silva qui s'élance, une course assez spéciale et il peut mettre un contre-pied parfait au gardien. Alors on n'était pas sûr de la course là, la course d'élan, mais alors ça lui a posé aucun problème. Botman qui pose le ballon sur le point de pénalty. Botman qui s'élance et il frappe droit sur la latte. Et c'est donc 2 pénaltys sur 4 du côté de l'Ajax. On est à 3 sur 3 côté Club América. Et c'est là que tout va se jouer. Ah, le malheureux Botman là. Il a trop voulu assurer en mettant ce ballon vraiment hors de portée du gardien. Et finalement, le cuir qui s'écrase sur la latte. Et du côté mexicain, c'est José Emiliano González Flores qui va pouvoir peut-être donner la victoire et la 5e place de ce tournoi à son équipe. C'est frappé! Oh là là, ça part complètement au-dessus! Et il remet éventuellement l'Ajax dans on la a course. Réussi 2 sur 4 pour l'instant du côté de l'Ajax. Alors, c'est très simple. Redan Sirat. Victoire pour le Club América. Par contre, s'il inscrit le goal, il va obliger le 5e tireur du Club América à marquer. Redan qui s'élance. Superbe, contre-pied parfait. Et c'est donc 3 pénaltys réussis sur 5 pour l'Ajax d'Amsterdam. 3 sur 4 pour le Club América. Et le dernier tireur mexicain qui va s'élancer. Et il s'agit du numéro 96, Santiago Navedalara. Alors, Navedalara face à Jörg Ruijgruuk. Si le ballon termine au fond des filets, les Mexicains terminent 5e de la Geneva Cup 2016. Navedalara qui s'élance et qui frappe à côté. Oh là là, c'est pas croyable. Mais quelle séance de pénalty. Quelle séance de pénalty. 3 sur 5 de chaque Bigna. Côté. Face à Robles Aguirre. Mbigna, superbe, quelle frappe incroyable. Sixième frappeur, Cardenas Camberos, côté Club América. Alors, Irving Leonel Cardenas Camberos, il n'a pas le droit à l'erreur.
Si c'est au fond, la séance continue. Si c'est raté, Ajax sera 5e et Club América 6e. Il s'est lancé l'arrêt du portier et c'est l'Ajax qui termine 5e finalement après une séance de pénalty. Mort vraiment incroyable. Et les Mexicains qui ont un petit peu offert hein, cette 5e place à l'Ajax, ils se sont bien battus pendant le match pour revenir à égalité. Et la séance de pénalty qui leur tendait les bras, finalement, ils ont réussi à se compliquer la tâche. Ils terminent 6e. Bravo en tout cas à ces deux équipes.